Eh bien, bonjour et bienvenue sur Xbox Actu, la chaîne des Let's Play. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte avec Chip Gravelry Hard Simulator 2. Je vous avais déjà proposé, il y a une vidéo qui traîne, qui doit y voir sur ma chaîne, je pense, de souvenirs du tout premier jeu. Donc, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à foncer. Donc on est parti pour, je pense, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure de découverte. Allez, j'arrête de papoter, on y va, on va aller dans les menus, on va regarder tout ce que ça propose comme option, accessibilité et compagnie. Et c'est parti, allez. Alors, paramètres. Donc je suis sur Xbox, hein. Alors caméra, on peut... Ok, le son. Est-ce qu'il y a... non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mode qualité ou un truc comme ça. Les crédits, on les regardera à la fin. On terminera le stream là-dessus au pire. Et du coup, c'est parti. Jouer. Nouveau jeu parce que j'ai jamais joué. Appuyer sur une quelconque touche pour passer. Mais on va laisser, on va se mettre dans l'ambiance, tuto et compagnie. Oh, tu veux jouer le tutoriel? Oui, je veux jouer le tutoriel, poteau, parce que sinon je vais utiliser l'ordinateur qui se trouve ici. Oh, le bruit il est fort. First step. Petit inconnu, bateau, niveau de difficulté. 1. Allez, voilà. On a acheté un bateau. Voilà, maintenant qu'on a acheté le bateau, on va aller voir le bateau. Eh, le jeu est propre. Le jeu est vraiment propre. Alors, on a acheté ça. Nouvelle quête. Qu'est-ce que je dois faire? Certaines choses comme les meubles et autres éléments légers peuvent être... D'accord, on peut les prendre, on peut les jeter. Alors, genre ça. Je peux prendre. Ça, je peux prendre. Ça, je peux prendre. Ça, je peux prendre. Ok. Ça, non. Nouvelle quête. Ton personnage dispose d'une charge limitée. Ah, il y a une petite faute. Quand tu atteins la limite, tu n'es plus capable de soulever autre chose. Jette dans le camion. Jette dans le camion et continue. Ok, donc on va jeter dans le camion qui se trouve ici. Oh, cool. Est-ce que ça me met dans le camion? Oh, c'est bon. Les éléments de construction sont retenus par des... Bon, en gros, il faut frapper, quoi. On va d'abord ramasser tout ce qu'il y a, non? Est-ce que je peux encore ramasser des choses? Vous devez d'abord appuyer sur cette partie. Je crois que j'ai jeté le sac comme un bébête là, non? Je l'ai pas jeté à l'arrache. Si. Bon, les 80 kilos, c'est fait.
Détruit les contacteurs bleus. Prendre, jeter. Marteau. Ça, c'est la lumière. Ok. Faut que j'arrive à changer et que je pas. Ah bah voilà tout simplement. Il en reste encore pas mal, hein. On va tous les enlever, non? Pour moi, il me dit d'en faire 12, mais je vais tout faire. Connecteur jaune, il existe différents types de connecteurs. Maintenez RT pour la scie. Ok. Là, il y en a encore là. Ah, je porte trop. Oh là, j'ai bien. J'ai bien blindé le truc là. Oh zut! Je me suis encore trompé. Je sais pas s'il faut que je brise tout de suite parce que je porte trop. Le dernier type de connecteur, ce sont des connecteurs à la torche. Ok, donc il faut que je les brûle. En attendant, je vais récupérer mon carton ici, que j'ai perdu. J'ai 45 kilos. Voilà, le camion, il va être content. Que je monte. Je ne vais pas avoir le choix. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour réussir à monter.
Ah voilà, sauter, c'est ça. Ok, allez, on monte. J'ai pas envie de me faire l'escalier comme ça. Je porte trop. Bon, je vous le dis tout de suite, moi j'adore ce genre de jeu, hein, donc là il n'y a pas de débat. Voilà. Il va falloir que je fasse bien attention de ne pas tomber. Je porte trop. Voilà qui est rangé. Et maintenant, on va faire ça. Ça, attention. Je sens que je vais tomber. Ou que tout va tomber. Avec moi dessus. Il va y avoir de quoi ramasser, hein. On va essayer de faire ça et de s'acheter un. Un autre bateau un peu plus grand pour s'en occuper. Je sens pas d'être au-dessus comme ça. Alors je sais pas ce qui va se passer. Si, je sais pas ce qui se passe si je tombe avec en étant sur la plateforme.
du coup, j'ai fait là, j'ai fait là, j'ai fait là. Ah, je coupe aussi ici, d'accord. Vous portez trop. Du coup, est-ce que je peux? J'ai le marteau encore ici. Allez. Je sens qu'on va me dire que je porte trop. Oh! Oh! Ah bah ça va, je peux tomber. Ouais, bah tu m'étonnes que je porte trop. Bien blindé, hein. Ah, je porte encore une fois trop. Bon, heureusement, je suis pas obligé de retourner à chaque fois. Qu'est-ce que je peux encore faire? J'en ai encore beaucoup. Oh, bah tiens. Ah bah je transporte trop encore une fois. Bon, je sais pas s'il y a un succès. Pour la quantité, mais. Voilà, hop, c'était certain. Allez, on va recasser un peu. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Ah, c'est là. C'est ici, je crois. Mais c'est pas. C'est pas là, en tout cas. Bon. Détruit. Deux connecteurs rouges, il faut que je trouve ces connecteurs rouges.
Oh, c'est obligatoire. Oui, forcément, je transporte trop, ça c'est logique. C'est plus ça, c'est plus ça. Bon, je t'en ai fait combien? Ah, j'en ai encore là. Ah, voilà, ça fait plaisir. Mon avis, je vais ramasser ça. Voilà, vous transportez trop. Une bêtise, j'ai fait une bêtise, il est là. Voilà, je transporte encore une fois trop, allez. On continue. Le camion va jamais tenir, hein, les gars. Ah, il y a une partie qui est pas coupée. Là. Est-ce que je peux éventuellement... Voilà. Ah bah non, c'est bon, je transporte trop une nouvelle fois, donc ça c'est bien. J'arrive pas à trouver les rouges. Il me demande de m'occuper des rouges, je n'arrive pas à les trouver.
Alors, j'en suis où là? Là. Le mur, il va tomber là, c'est mais c'est obligé, il tient même plus là, le poteau aussi. Alors, quand je dis le poteau, c'est l'ami, hein. Je n'ai pas dit que c'était un poteau. Surtout ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Oh, j'allais dire, je vais me prendre à vous transporter trop, c'était obligé ça. Mauvais outil. Ah, alors ce serait peut-être là. Mauvais outil. Non, donc c'était bien, voilà. Bien ce bon outil. Allez, on tape. On va mettre des petits coups de scie circulaire. Allez, allez, allez. Bon, je peux déjà me mettre comme ça parce que là, voilà, vous partez trop. C'était couru d'avance, ça. J'ai l'impression que je vais me prendre le toit sur la tête, non? Bon, heureusement que j'ai de la distance. Vous transportez trop, ça c'est. Faire anticiper. Ah, c'est là alors que je. Voilà, je me disais bien. Tu veux pas, hein, toi? Tu ne me lâches pas, toi. Détruisons, détruisons. Huh.
Je transporte trop. Et là, du coup, je peux la prendre. Et bien sûr que oui. Voilà. Vous transportez trop. Allez, bim. Je sais pas combien je devais mettre dans le camion, mais jette 10 kilos. Hein? Jette 100 kilos dans le camion. Mais attends, mais. Auto là, enfin t'es marrant, mais ça va être compliqué. Oh oh. C'est moi où j'aime pas trop le bruit que je viens d'avoir là. Bon bah, il va falloir essayer de mettre 100 kilos dans le camtar alors que je viens de tout casser. Ça m'embête parce que. Ouah, si, si, les 100 kilos, je vais les avoir, c'est certain. Pas à discuter, c'est sûr. C'est sûr, ça va passer. Bon, heureusement qu'ils prennent pas en compte les distances, sinon je serais un peu dans l'embarras, hein, pour le coup. Attention de pas tous prendre sur la tête. Encore moins. Encore un. Allez, allez, il faut que je mette au moins 100 kilos là dans le truc. Allez. Voilà, vous transportez trop, vas-y, dis-le-moi que je transporte trop, mon ami, voilà. On a mis 60 kilos. Et voilà, alors c'est quoi ta prochaine étape, vas-y. Utilise l'ordinateur. Et il est où l'ordinateur? Oh non, j'y crois pas. Bah, je fais tout, hein. Moi, je vais à fond. Hein. Bon, dans le camion, j'ai mis 1,5 tonne. On va essayer. Je pense qu'on va se retrouver au moins avec 2 tonnes. Allez, utilisons l'ordinateur et je pense que je vais pouvoir améliorer aussi toute la cabane et tout, ma base. Ordinateur, c'est bon, récupérer les contrats de l'ordinateur. Contrat, demande 10 dollars, 100 kilos. Ouais, ok. Information sur le contrat, 10 dollars ont été transférés sur ton compte. Ok. C'est tout. Va à la zone de tri. Tri le métal. Ok. La
Je regardais s'il n'y avait pas une touche pour... Une touche pour sauter et courir. Donc là, on va les trier. J'ai défoncé tout le système en tout cas. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que pour cette découverte, je crois qu'on va se faire le tuto. Hein. Zone de tri. Dans la zone de tri, tu vas trier les pièces récupérées sur le bateau. Ceci te permet de vendre les matériaux donnés dans le magasin ou de les utiliser dans ton atelier. Pour trier efficacement les pièces, assure-toi de leurs emplacements corrects dans les conteneurs. Oh. Allez, on trie! Je sais pas du tout. Ah voilà, d'accord. Là, je trie bien. Là. Voilà, c'est trié. Vend du métal trié dans le magasin. Le magasin qui se trouve ici. Voilà. Tu peux vendre les pièces triées dans le magasin. Ceci te permet d'acheter des bateaux plus grands et d'améliorer tes outils. Donc, on ouvre le magasin. Voilà, je vais te donner ça. Oh, les liquides, je pense que je peux t'en donner un petit peu aussi. Voilà. Et... J'appuie sur la touche wiki. Ok. D'accord. Donc en fait, yes! Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ah, contrat terminé. Bah voilà, hein, bah c'est pas mal. Et là ici, il y a l'ordinateur. Donc bah voilà. Bah écoutez, moi je vais m'arrêter là pour cette découverte. Je pense qu'on fera des petites sessions. Des petites sessions comme ça. En plus dans le jeu. Parce que bah moi j'adore tout ce qui est simulateur et tout. Et je sais que j'ai encore de la ferraille et tout à récupérer sur le premier bateau que j'ai acheté. Et il faudra voir pour acheter d'autres bateaux. Des bateaux bien plus grands. Des bateaux. Voilà. Enfin bref. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi en direct. Et pour ceux et celles qui sont sur YouTube, je vous invite à vous abonner et mettre un petit commentaire et le petit pouce en l'air. Me dire ce que vous en pensez, si vous en voulez plus ou pas. Allez, je vous dis à très vite. Salut, salut, salut!